The recording is on. Maybe I can also activate the CC, the captions. Okay, good. So, welcome everybody. I have a question actually. Can anyone tell me why? Not this one. Why? We need optimization for machine learning. To be able to have the machine learn faster and more efficiently? Well, it's not because it's more efficient. It is actually because we want to generalize something. Okay, so the idea of machine learning is to learn a function. Okay, maybe I can just give you some intuition about the question, and the idea here is imagine you have some data, okay, some variable x. Okay, for example, X can be an image where you have, I don't know, cats or something. And you have this X and you want to associate to this X a label Y, for example, cat. Okay, let me just check something because I think the tablet is not responding correctly. Okay. Monitor one, monitor two. Okay, I think it's good now. Okay. So here you have this example of classification. You have images. And here you have some label. Okay. And the idea is to learn how to classify this function, how to classify this task X. Okay. So here F is a classifier. And the question is how I find X, how I can construct F. Okay. Well, we are not going to do all the theory here because that's for the next year, but the basic idea is that you have to construct F as a function of different parameters. For example, in a neural network, those parameters are the weights and the bias of the neural net. Okay, but some parameters. And you want to find this function depending on the parameters W1, Wn, such that the generalization error of F is minimal. Okay, so what is the generalization error of F? Well, is something called L for loss that takes an X and Y. Okay. Well, it's the loss, if you want, it's a function of that, but it's the loss of F. And this is the mean value, okay, it's the expectation of the mistake. So is the expectation of Y different of F of X. Okay. And this is known as the risk.
Okay, and it's a function of f itself, and f itself depends on the parameters w1, wn. Okay, so this thing is the mistake, is the mean mistake, if you want. Mean mistake of classification. Imagine you have your, I don't know, your little brother. He's a baby, and you want to explain you want to learn him how to detect different types of animals. It can be dogs, cats, zebras, wherever. So what do? You show him different images of the animals. You say, this is a zebra, this is a dog, this is a cat, and you reproduce the same action again and again with your little brother. And over the time, he's doing time to time some mistakes, but less and less. Do you see the idea? So when you learn something, the number of times you are making some mistakes decreases over time. So in machine learning, this is the same idea. You have something which is the mean error you have, okay? This is known as the risk, and you want to minimize the risk, okay? So you want to minimize the risk that depends on the function, and actually the important thing is it depends on the parameters w, okay? So if you want to construct this function f, you need the values of the parameters, and for that you are going to do a minimization procedure to find those optimal values of w1, wn. Okay, let me give you another example, which is the regression example. Imagine you have something here, different points there, okay? Something like that, okay? You have different points. What can you do to approximate and actually extrapolate the behavior? You can choose different parameters. You can, for example, a straight line, something like ax plus b, or you can choose maybe something more complicated, maybe a parabola or something, okay? Okay, ax squared plus bx plus c. Or wherever, okay? The idea is you are not only interested in this region, but also probably outside. You can say that someone learned something if this person is able to generalize the notion to a different examples, okay? So for example, you are students, and if the teacher wants to know how much did you learn about something, well, it will give you an exam, and then you have to solve the exam. And the exam is something new. It's not exactly the same as the exercises you did before. And actually, the professor is interested in what's your ability to generalize, okay? Not what's your ability to solve again the same problems you already saw, but are you able to do new things, okay? It's the same thing as with your little brother. When you say, is my little brother able to multiply two numbers? Well, the answer is yes. If you give him two numbers, whatever they are,
and he's able to give you the correct result. So memorizing thing is not, it's not learning. It is not because he knows all the multiplication tables perfectly that he knows how to multiply. Do you see the idea? It is because he is able to generalize to any type of two numbers multiplication that he knows how to multiply. The idea here is the same. So when I perform this type of regression here, I can predict new values of unseen data. Do you understand? So that's the idea, is I learned from data to construct a model, and this model sometimes produces mistakes, and the idea is to find the model that minimizes the mistakes it made as predictions. And those models depends on parameters. So for example, here the parameters are A and B. And what will be the loss of X and Y? Well, this will be, for example, the absolute value between Y and minus AX plus B. Okay. Do you see the idea? The idea here is you have this possible function with two parameters, and you want to evaluate how good is this estimate for precise values of A and B. So here you have this quantity that you can evaluate. Okay. But the important thing here is this loss depends on W, that is A and B. So instead, it is not only a function of X and Y. Of course it is, but the important part here is it's a function of the parameters. So I want to find A and B, okay, real numbers. They are just different to zero, such that we minimize among any value AB the loss L. Okay, so that's the main reason we need optimization. I want to find the optimal values of the parameters A and B such that this thing is minimal. Okay, and here, of course, I forgot the expectation. This is a mean. Okay, c'est une moyenne. Il y a une espérance ici. Bon, ça, de toute façon, on le verra en détail l'année prochaine, mais l'idée, ce que je voulais vous dire là, c'est on s'intéresse à l'optimisation parce que résoudre des problèmes de machine learning s'écrit comme, en fait, les algorithmes vont souvent faire appel à cette chose qui s'appelle la minimisation du risque empirique, qui consiste à dire je minimise l'erreur moyen que je commets en faisant une classification avec des valeurs précises des paramètres. Okay. Donc ça c'est la partie importante, c'est j'ai une fonction qui dépend des paramètres, ici c'est les poids W1, Wn, et je cherche les valeurs W1, Wn telles que l'erreur empirique en moyenne est minimale. Okay. Bon, ça voilà, c'est dit un peu grosso modo, mais voilà, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Okay. Minimiser les risques empiriques, mais du coup, vous devez savoir comment minimiser, comment optimiser les fonctions. Okay? Alors, qui pourrait me faire un petit résumé des choses que l'on a vues jusqu'à présent en optimisation? Okay? Un petit peu la morale, finalement, de la fable de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un pourrait me dire un peu ce qu'ils ont retenu, des mots-clés, des idées?
If no one wants to go, maybe roughly what I remember that we want to have mostly convex functions to have local minimums that we could find. What's the word? By derivating, for example. Some common methods used are the stochastic gradient descent. So it's the goal is not to get to the minimum, but to get as close as possible to it. Yeah, that's roughly what I remember. Okay, thank you. Yeah, so good. The idea is to find a minimum of functions, okay? And we saw that in the minimum of one function, we have different things that happens. The first one is that the tangent line or the tangent plane or the tangent hyperplane, if you are in dimension n, is horizontal, so it's 0. We saw that the gradient of the function j in an optimal point, x star, is 0. We saw that convex functions are nice because they have global minimums. Okay, so convexity is an interesting property, but you will see next year that it is almost never the case for machine learning because the functions, let's say you have a function in one dimension, it can be something very weird like this. So this is not convex, but you know already that convex functions, if they have a minimum, a local minimum, they are actually global minimum. Okay, so convexity is a very important notion for optimization, and it is, even if in practice this is not often the situation, all the convexity theory is important itself. Okay, so that's why we saw what a convex function was. So a convex function is a function such that the epigraph is convex, it's a convex set. That means this thing here, known as the epigraph of F, is a convex set. And we also saw that the function is always over the tangent line. And we saw another thing is that the value of the function between any element inside this line is below the function. Okay, you can see that this part here in blue of the function, this part is under the line in blue. Okay, so those were convexity properties of functions. Okay, so that's again a little recap of why we need optimization. We saw how to compute the gradient of a function at a point. We also saw the second order criterion using the Hessian matrix. In a minimal point, the Hessian matrix of J at point X star. If you think here, you have the tangent lines before is negative, then zero, then positive. So the derivative is an increasing function. That means that the second derivative is positive. So in a minimal point, the Hessian function, the Hessian matrix, is a positive definite matrix. Okay. And yeah, we saw different type of convex inequalities, why they are important. And now we are going to continue with that in a more general case. Okay. Let me just find where we were.
Okay. Yeah, good. So also we saw the gradient descent family of algorithms, gradient descent, which is a family of algorithms that use the gradient information to select direction. So if I want to find this optimal point, X star, I start somewhere, which is not necessarily that point. This is my first seed. And from that point here, J of X zero, I'm going to select a direction in minus the gradient of J. So this direction conducts me to this point, and from this point, and I can start again the algorithm going through minus J. So this is X1 and etc. And you can see here that the idea is to construct then a sequence Xn and in the natural numbers such that the limit when n goes to infinity of Xn is no one else except from X star. Okay, so that's the idea. And the precise equation we follow here is we start somewhere and the next step is the step before minus some proportion of the gradient of J at that point. And again, this parameter here, at least in machine learning, receives the name of learning rate, taux d'apprentissage en français. Learning rate. And we saw that depending on what's the speed of the learning rate, we are going to have different behaviors. Okay, let me just show you an animation here of different algorithms optimization. Okay. I'm opening the file. Okay, so this is a good example. It's known as the Rosenbrock banana function. Okay. We still see your iPad. Oh. Yeah, it's opening. Okay, my iPad. Okay, so do you remember we saw the different ways of understanding a function of several variables? If we are just in the, if you are just in 2D, but of course in machine learning the functions have thousands of variables. So the general case is I have a function from Rn to R. Usually n is large. And so this is a hypersurface. So this is Rn plus one. And you have F, which is a sort of surface. Okay. And you want to minimize that. Okay. So last time I give you some examples. For example, I don't know, I can say again something like that. F is a function of X and Y. So you understand here the idea is that depending on the value of N, the function is different. So if N is one, you are just with one dimensional functions. For example, this. If n equals 2,
Well, in this case, if n equals 3, well, we can no longer plot the function for visualization purposes, but in mathematics that doesn't matter. We can work with these type of functions. And of course, when n goes larger and larger, I don't know, 10,000 variables, this is actually not so big. 10,000 variables, c'est un truc qui arrive tous les jours, même beaucoup plus. Dans les réseaux de neurones, on peut atteindre des millions de variables. Ben, la visualisation n'existe plus. OK? Donc, mais c'est pas grave. C'est pas parce que la visualisation n'existe plus que l'on peut pas travailler. OK? Alors, je vous avais dit aussi que une fonction comme ça, on peut l'avoir par les courbes de niveau. N'est-ce pas? Donc, je vous avais dit que si on a une fonction qui ressemble à une petite montagne, par exemple là, tac, on a une petite montagne comme ça, tac, tac, eh bien, les courbes de niveau, donc là, on va avoir des maximums, OK? Et tout autour, bah, on va avoir des choses comme ça. OK, éventuellement, on va, voilà, ici, des... Hein? Ça, c'est les courbes de niveau, vous vous souvenez? Bon. Alors, est-ce que ça a ouvert l'animation? Pourquoi ça marche pas, ce truc? OK, alors attendez, je vais télécharger le code source. Peut-être que ça allait mieux. Voilà. C'est bon. OK. Alors, je fais ça plus grand. Donc là, vous voyez, c'est un exemple classique de fonction. Là, on a les courbes de niveau. Okay, so those are the level curves of the function. And here you can choose different algorithms. Okay, fixed step descent. So you start here. This is your initial condition. You can move the initial condition and you can see what's the trajectory of the sequence xn. Okay, so for example, I take this. How can I take? Oops. Okay, let's say we take that and I want to take this picture. I forgot how to take the picture here. Print. No? Okay, so no thanks. Now, I want to say Control V. Okay. It's a too large image. I want to cut it. What? You're on Windows. There is like a little app to do the only part of the screen. Ah, okay. Like support or something like this. Maybe someone on Windows can tell you. Okay, thank you. Yeah, I will see that in another moment, don't worry. So this is my initial condition, okay? This is x zero. Now, the gradient of the function goes in that direction. Is there any other color here? Maybe if I change the background to white and black. Okay, so the gradient is in this direction. This is the gradient of the function j at x zero. In this direction, the function increases, and I don't want to increase, I want to decrease, so I have to go in minus the gradient, is this direction, minus the gradient. Okay, so I fix a step, eta, fixed. Okay, I have a fixed learning rate, and that means that I'm going through this direction and I arrive here. Okay, so this is x1, and from here, again, I compute the gradient. I go in minus the gradient direction with a fixed proportional factor eta. Is xn plus 1
equals xn minus eta times the gradient of j at the point. And I have here x2, etc. So when n tends to infinity, the idea is I want to converge through x star. Okay? So this is one type of algorithm I can choose. This is the most simple one. And the problem is that it has some defects. Okay? Sometimes if I choose, for example, the minimal point in a not very good direction. This is maybe not a good example, but sometimes the cost can increase before it decreases. So I can do a simple graph here to show the idea. So the idea when this algorithm doesn't really work, if you take the constant step, for example, imagine you have x squared. Okay, x squared is symmetric. Oops. Well, you know, x squared is something like that. If you start here, x zero, and you take a gradient such that unfortunately you go to the other point, eta such that x zero minus eta gradient of j at x zero equals j of x one. This is x one. Sorry, equals x one. Okay. This can happen. You choose eta not good enough, such that you are doing like ping pong. You go here and then you come back and then you come back. So you can remain at the same height. So that's not good. Or even worse, you can maybe perform something that's divergent and increases the value of the cost function at each step. Okay, so that's the reason why we have other type of algorithms. In this animation, you can see here the optimal step, steepest descent, and you can compare the algorithms. For example, let's take this point here. I don't know why the animation is not going. Oh, why I don't see the blue properly? Okay, let me close the app, open it again. Okay, good. So, this is the fixed step descent. Now, the optimal one. That's very weird. Let me just maybe take this and put it in a new window. Okay. Yeah, I think that's better. So, you have to compare different algorithms. So this is the fixed step descent, okay? Now this is the optimal step descent from the same point. Well, I don't know why the blue is not working properly. I don't know if it's my machine. Well, but you understood the idea. The idea is that different algorithms give different types of order of convergence or have more or less good properties, suitable properties. Okay. And one of those properties is the speed of convergence. Okay. So the speed of convergence. Okay. Initialization times out, that's very strange. Okay, but well, whatever. If you have different
paths. Okay, now we can see here, for example, for the optimal step. you see here that the angles are a little bit different. So you choose the, for example, here you can see the step was quite long in this second step. And it's always choosing the correct amount of eta. So in the optimal step descent algorithm, so in this second one, the eta parameter is not choose as fixed, but is changing at every single iteration, okay? So in the second algorithm, eta is a function of the step of the of n, okay? The step, sorry, is a function of the index n. So eta, if you plot eta with respect to n, so this is n, this is eta, it can change. For example, at the beginning I say, well, take maybe 0.1, and then he's computing the optimal value. So I'm solving an optimization problem inside my optimization algorithm, okay? And maybe eta increases, and maybe increases, and maybe then decreases. It depends on what's the best at every step, okay? But the idea here is you have different algorithms. Another one is the conjugate gradient method. Well, I don't know, I think they have problems of dynamicity here. But well, whatever, it doesn't matter. Do you have any questions about that? Is it okay? Okay, so we are going to talk about... I do have questions. Yeah? Here you say, so you showed us two different kind of algorithm, and one with eta fixed and one with eta that is a function of n, but actually you want to solve a problem already, right? So if you have the learning rate that is depending on n, well, you don't know how many n you're going to do it in practice, right? So yeah. I don't get, like, it seems to me as if it's a second problem inside our big problem, okay? But without the solution, how can I compute eta of n? The eta doesn't depend on the optimal solution x star, okay? So that's a first thing to understand. Eta does not depend, so it's not a function of x star. That's the first thing, okay? Now, there is absolutely no relationship between them? No. Okay. Okay, how to say, for example, x star can be any, everywhere, okay? Well, it doesn't matter. The idea is how I approach x star, and that's where the eta value has an importance. Okay, for example, let's say I start here, x zero. So in this point, the gradient is in this direction. So minus the gradient is in this direction, minus the gradient of j. And I can choose eta, this parameter here. For example, if eta is one, okay, see, if eta is one, where do I go? I go in the top of the arrow, okay? At the beginning of the arrow, so this is x1. If eta is one. Now, if I keep eta equals one every time,
from this point, I compute the gradient is in this direction, and then I have to go to this direction. So I fall somewhere here. Here, this is x2. Okay. And I start again and again. So for example, here, I can be catch by the local minimum or not. I can, for example, come back. I can come back at one moment, depending on the value of eta. Okay, I can come back and do maybe this and going to the other one. Okay, so we can actually try to do that right now all together to see if you understood the algorithm. Okay, we're going to do it in dimension one. I'm not sure that the screen is still displaying because I'm still in x2. Oh, okay, it just appeared. Sorry. Like so. Okay, so we are going to perform the coding of this together. Okay, let's code the algorithm here together. So I want someone here to propose me a function with this shape. Please, someone give me a function f of x with this shape. And we are going to do that in Google Colab. Okay, do you already use Google Colab or not? Yes. Yes. Okay, so we're going to do that in Colab. I think that's the easiest solution. Okay, new notebook. Okay, so I need a function with this shape. Well, it's a polynomial form of degree 4. Mm-hmm. And what do you suggest? You want us to put like values onto A, B, C, D? Mm-hmm. Oh, wait a second. Well, Thibaut gave one in the comment part in the chat. Okay. In the chat. Okay. Let's try this function. Let's see the shape. Is it the good shape? Mm-hmm. So plot range 10. Okay. Yeah, it's not exactly the same, but it's not bad. I like it. How can I maybe increase the value here? Can say if you factor that thing. You can't factor this. I have to introduce an extension. Maybe square root of 2. Well, the idea to construct that type of function is you take translations of the x square function. And you place the poles in the minimum function somewhere. Okay, so it's minus 129. Is that one?
So I maybe can increase the, well, okay, I like this one. 15. Five. Okay, let's take this function. It's more similar to the previous one, okay? So here I have this function and then I say this return x square x fourth minus 3 times x power 3. Oops. I am no longer familiar with this keyboard. X cube minus x square plus x minus 2. Plus x minus 2. Okay. Shift enter. I can test my function f of 3 minus 8. Okay. Now this is the function. Okay. And what's the derivative? So I define df of x is just the derivative of this function. So return 4x cube. Oops, 4x cube minus 9 times x square minus 2x plus 1. Okay. So I verify the thing. So it's 4x cubed minus 9x squared minus 2x plus 1. Okay. So that's the gradient. Okay. Now I have to choose a new point. X zero. For example, x zero can be minus 2. This is my sequence of functions. Okay, and I say that x at n. So I define here a recursive definition. X of n is. What is a return x at the value n minus 1 minus eta. So I have to define eta somewhere. I add some code. So eta is, for example, let's say 0.1. Okay, 0.1. And I say here, I define a recursive function. I have to check something. Define recursive function in Python. Okay. I don't remember if there's a one. Okay, recursive functions in Python. Factorial recursive. No, I can just use the same thing. Xn minus 1. Okay, so here is maybe if n equals 0. Okay. I have to check if that's the way of satisfying things. 4 equals 3 equals 4. Okay. If n equals 0, then return x0.
and else return xn minus 1 minus eta times the gradient, so it's df at xn minus 1. N minus 1. Okay, so the point before minus eta times the gradient at that point, and that's all. Let me check if this is good. X1. You missed the else. Ah, thank you. Else 2 points here. Now x1. Okay, it's 4.3. Okay. So that's good. Now let me check. Maybe I can do here 4 n in range 10. Print x of n. Okay, so this is diverging. This is diverging. Why? X power 4 minus 3 x cube minus x square minus 2. Okay, the derivative is, I have to verify this here. Oops. Control C. So f of x is this function, and I want a table of, so x in 0 is 0 point, no, it's minus 2. Okay, it's minus 2. And I want that x of n equals, let we say xn minus 1 minus the parameter eta times the gradient f prime of xn minus 1. Okay. Now, if I do x mapped here, eta is 0 point what? Eta is 0.1. Okay, tag. So effectively, this is performing the good computation, but you see that it is diverging. Why here it is? Overflow, we don't care about that. So in this case, you can see that the gradient algorithm is diverging. Okay. It is diverging. Now, we're going to take another value of eta. Okay. For example, if I take an eta smaller, 0.01, okay, instead of 0.1, 0.01. This is no longer diverging. This is converging to minus 0.62, which is this local minimum. So now if I take eta equals 1/10 of that, I can just erase this and reapply this. Now the algorithm is converging to this left
root, not root, the local minimum. Okay, now I am converging to a local minimum, but not to the global minimum. And this will be a typical issue in machine learning. All the algorithms that we use to minimize the functions, they converge, when they converge, to local minimum, and now to local, to global minimum. Okay, so that's an important thing to do. Now I want to converge to this second, this global minimum here. So what if I change the value of eta, maybe something greater, for example 0.5. let's see what happened. Okay, now with eta equals 0.05, you can see here I am converging to 2.41, which is the second global minima. Okay, so this is the basic gradient descent algorithm. We can see from this very simple example that sometimes I am diverging. If I choose the learning rate too big, it can also converge, but only to a local minima. Or if I choose well the learning rate, converging to this second global minima. Okay, and this is just a function with very simple one. Okay, if you increase the complexity of the function, for example in the banana Rosenbrock, I actually can plot that function. I'm going to stall the expression of the function. So where's the function here? Fun. Okay, so fun. Where's the function? It's too small for me. Okay, the initialization is empty, so it's not here. If gradient fix, blah, blah, blah. P J of U. Ah, yeah, is this function. Okay. Is this function. This is the Rosenbrock banana. Okay, so, okay, this is J. Now let's do the plot 3D of J of XY for X moving from, what was the interval, minus 1 to 1.5 and minus 1 to 1.5, minus 1 to 1.5, and Y moving from minus 1 to 1.5. And I want color function, temperature map, mesh functions 3. Okay, so this is the Rosenbrock banana. And this is the function we want to minimize. You can compute the gradient of J of X, Y with respect to X and Y. And you can solve this equals to zero to find the critical points. So I say solve this equals to zero, and I want to find X and Y. So there's only one critical point here, which is 1, 1. I can put it here in a epilogue something. So epilogue graphics. I actually don't remember if we say graphics or just point. Let's try just point. Red, point size 0.02, point, and that's 1, 1, J of 1, 1. Okay, and then
bracket, bracket. No. This bracket goes here, and then curly bracket. Okay, so it's maybe not like this. Graphics, 3D. And I'm doing show that with that. Okay, so this red point here is the minimum. Okay, and that's the only one because this function has only one critical point. And you can see that depending on where I am starting the algorithm and what are the values of the parameters here, I am converging to another point. Okay. Do you have any questions about this algorithm? Now you're... Yes, you didn't answer to my question about eta. Here on the right, on the previous function, you showed us eta with a fixed value. Yes. What if now we don't want to have eta fixed, but eta of n? How are you going to choose the function here? Well, you can define any function. For example, I can say def eta of n. And for example, I'm saying that I'm taking longer and longer values. Okay. For example, I can say take return 1 plus 1 over n. Okay. So here eta is changing its value. So it's, I'm taking more and more, you know, I start with a 2, I start with 2, and then I take not 2, but 1.5, then 1 plus 1/3, 1 plus 1/4. So this is an example where eta is a function of n. So if I want to adapt data here, I put eta of n. And here I can choose any type of functions that depends on n. Now, obviously, it is not smart to choose any expression of n. The idea is to choose the best possible one. And we are going to see that just after. How do we find this optimal value of eta at each step? But do you agree with me that I can possibly take any value of eta here? Yeah, of course. And actually, you just said that you're going to answer to my question later when we're going to compute the best value for each eta. Mm-hmm. Yeah, and that's the optimal step algorithm. So it's another algorithm which comes from the same family. And we're going to see what's the idea behind. But before that, take this algorithm here in Python on the right and adapt it to solve this problem. Okay, we're going to compare the three algorithms we're going to construct. So now I show you how to do the same thing here for one dimension. You have to adapt this little code to the case of 2D. So here I have a gradient. Okay. You can see here that I already compute the gradient is this expression. And the function j of x and y is this. J of x and y. And I want traditional form of that. Okay. So this is j. This is the gradient. This is the critical point where we must converge. And this is the graph of the function. Okay. So take maybe, I don't know, 15 minutes to try to adapt the code on the right to the 2D case on the left. Okay.
Okay, I'm going to take some water. I come back in 2 minutes, okay? Okay, I'm here. Anyone succeed in adapting the algorithm to the 2D version? Not yet. I'm just copying. I just finished copying. Okay.
Well, it's not that easy to go from one dimension to two. Does yeah. X of n becomes X of n, Y of n? Yes. So we need to define two functions, right? No, one function of two variables. For X of n. Ah, yeah, X of n is, X of n is a vector with two components. Okay. So can I say that X of n becomes X of nm? F of what, sorry? Like, it seems really difficult to me to go from one dimension to two. So my trouble is by representing the, I don't remember the name in English, but la suite. Mm-hmm. So X of the n. Sequence. Yeah, the sequence. So I still want a sequence depending on only n, mm-hmm. but that gives two outputs, right? Mm-hmm. And I don't get how to code it. Okay, so the idea here is, again, I take xn, x zeros, this is the initial condition, and then xn plus one, sorry, this is not very, xn plus one is xn minus eta, the gradient of j at xn. So the difference here is x zero is an initial point. Okay, so u zero v zero in R2. Eta is a real number. Okay. You can
you can take different type of values on each direction, but that's later. I mean, eta actually can be a vector, eta 1, eta 2, okay? But if you take eta 1 equals eta 2, it's the same as just taking eta, a real number. You have this sequence, xn plus 1. So xn plus 1 is actually un plus 1 and vn plus 1. N plus 1, Vn plus 1, this is Xn, so it's Un Vn, minus eta, times the gradient of J, so it's the partial derivative of J with respect to X, to the first variable, at the point Un Vn. Okay, and the second component is the same, but the derivative with respect to y at un vn. Okay, but I'm okay with this. It's just I don't really know how to put all of this into. Can I do it like component by component? Yes. Okay. Thank you. Anyone else try to solve the problem? Yeah, I'm trying to do it. I'm not quite there yet.
anyone maybe wants to show your screen, and we can maybe discuss what are you doing and how to correct the exercise. I have a proposal. Mm-hmm. Can you share your screen? Let me just give you the permission to share the screen. Okay, so now you can share your screen if you want. It is good. Yes. Okay, so I did, like, I written that. Mm-hmm. Then I split everything like everything component by component. Mm-hmm. So I define grade of f of x and grade of f of y. And so, why you don't return just a vector? Because it was easier to me, and okay, it was quicker to in my mind to implement it. Okay. So then I have the initial conditions. Mm-hmm. I choose a eta fix. Mm-hmm. But here is something really bad. I'm gonna need help on this, but then I need to define component by component, like the sequence on X and the sequence on Y. And then I put into a list all the results for N going to 0 to 10. So here we have the X components, and on the right, the Y. And okay, as we can see, it's diverging. Okay. Good. But you have the algorithm. It's okay. So for this particular value of initial condition and eta, it's diverging. But for example, I took as initial conditions 2, 2, and eta 0.01. Okay. So now you can maybe plot that on a graph, you know, on a 2D graph using Matplotlib. Yes, I can try. Then what should I do? Like plot result, mm-hmm, result 0 with result 1. Okay, good. So those are the points where this sequence is converging, okay? And this is, so look, keep that in mind. I can show my screen again. And you can actually do something like this dynamically, okay? So my initial condition is this point. And you can see that when times increases, the sequence is converging to that particular point in this way, okay? I think we are good. Any other question about that? No, it seems, is it okay for the others? Did you understood the computations? Yes. Okay, perfect. And yeah, you can see how Albin solved the problem in two dimensions, inspired on this 1D code. Now, there's another thing you have to understand also. This algorithm needs the gradient, okay? And here,
I used explicitly the expression of the gradient. But in general, I can't compute, or I don't want to compute, the precise form of the gradient. In that case, I have to estimate the gradient using finite differences. Do you remember maybe that the derivative of a function is the limit when h tends to zero of f of x plus h minus f of x divided by h? Okay, this is the derivative of a function. So if I pick up, if h is small but fixed, the derivative of x is not far, it's not equal, but it's not far to this quantity. So you can see that I drop out the limit. Now, the idea is the same if you want to compute the gradient for general function. The gradient of a function j at a point x can be approximated by finite differences in each component. So this is, well, this is, let's say it's equal to, this is equal to partial derivative of j with respect to the first variable, blah, 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 partial derivative of j with respect to the last variable, okay? And I am approximating those partial derivatives by those finite differences at each point. So this is j at every single value x1, x2, xn, except at x1. So here I have x1 plus h, x2, xn, minus j at x1, xn, divided by h. I have the same thing for the others, and here I have j at x1, x2, xn plus h minus j at x1, xn divided by h. Okay? Divided by h. So, if I want to improve my algorithm here, I have to define the gradient here, df, not longer as a particular expression of the gradient, a precise expression of the gradient, but instead I want to compute an approximation of that using the the finite differences here. Vous avez saisi un peu l'idée? C'était clair pour tous? Non, pas vraiment. Non? Donc, je le retire vite fait. L'algorithme qu'on a fait ici, je lui donne directement le gradient. Donc là, j'avais la fonction. Et par moi, de mon côté, j'ai calculé la forme exacte du gradient. Okay? C'est cette fonction, la dérivée, quoi. Oui. Mais moi, en général, j'ai envie juste de donner la fonction et pas forcément de devoir calculer le gradient explicitement. Okay? Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de calculer le gradient comme une approximation en différence finie, qui est ça, à chaque endroit. Tu vois, parce que la dérivée d'une fonction, par définition, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement.
Mais si au lieu de prendre la limite, je prends un h petit, la dérivée est à peu près égale à ça. Elle est approchée par cette expression. Donc moi, je peux dire que le gradient, c'est-à-dire ici la dérivée, c'est tout simplement ce taux d'accroissement. Et donc, dans mon algorithme de descente de gradient, je vais me fixer non pas juste un état, mais aussi un petit h, pour calculer à chaque instant de temps l'approximation de la dérivée numérique. Non pas de la dérivée en tant que formule, mais de la dérivée numérique. Vous voyez? Et donc ça, c'est pour le cas d'une seule fonction, pardon, d'une seule variable. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs variables? Eh bien, dans ce cas-là, je dois faire appel à les dérivées partielles. Okay. Donc là, j'ai dérivée partielle de j par rapport à x1 qui va, elle, être approchée comme la fonction j évaluée à la variable x1 plus petit h, hein, c'est l'équivalent du f de x plus h, moins la fonction j au point x. Moins f de x, le tout divisé par petit h. Okay, donc ça me donne une approximation de la dérivée partielle de j dans la direction x1. Et si je fais la même chose pour toutes les variables, et donc par exemple à la fin, pour la dernière variable, la dérivée partielle de j par rapport à x1, par rapport à xn, elle s'approche par le quotient en différence finie qui est à droite, qui est j évalué en x1, x2, x3, xn, plus petit h, moins j évalué en x1, x2, xn, divisé par petit h. Vous voyez ou pas? Oui. Donc, ça c'est le truc, c'est-à-dire cet algorithme-là, il marche bien comme ça, lorsqu'on a le gradient explicite, mais si moi, je ne peux pas me permettre de calculer le gradient explicitement, je dois utiliser une approximation numérique du gradient. Donc maintenant, étape suivante pour vous tous, améliorer cet algorithme-là pour non pas devoir lui donner le gradient exact en un point, mais en un point petit h. C'est très simple, hein, il faut juste changer cette ligne-là pour qu'il calcule le gradient numérique et non pas le gradient explicite. Tout le monde voit un petit peu la question ou il y a des gens qui n'ont pas compris. Je pense que ça va. Ça marche.
quelqu'un veut partager son écran pour qu'on voit un peu à peu près tous ce que vous faites. If no one is going to do it, I can do it if you want. Ouais, vas-y. But I didn't do it with your example. I did it in the two-dimensional example. Ah, t'es allé tout de suite au plus difficile. C'est pas important, c'est bien. Alors, attends, je vais montrer d'abord le cas n égale 1. Okay, just before going to the two-dimensional case, we have to adapt this to the one-dimensional case. So, the idea here is I add a parameter in the definition of df, okay? And I replace this function by f of x plus h minus f of x divided by h. That's the idea, okay? So this is the f, and now here I compute the gradient with a step little h, okay? And I have to define somewhere little h, so maybe I can do it here. H is 0.02, okay? Something very, very small. Actually, I don't need this. Okay, so that's h. Now, eta was 0.05, I think. I can erase this. This is eta of that. And I get the same type of numbers, okay? Okay, so now you can share your screen if you want, Alban. Yeah, I just need 1 second because I did it differently and I tried to adapt as the model you did. Okay, I can share. Okay. Tell me when you see my screen. Yes. Okay, so at first I added a prox gradient here. Just to the explicit one. And yes. At first I just wrote something like h equals 0.01 and then didn't add this little h as a parameter of the function, but finally I did it the way you did. So I added the h here, so I needed to give the h here, so also into those thing and also here for the both component. And
here finally I just give the value of age, apply it, and here you see my results now in a better view. So we start at 2.2 and we converge to 1.24, 1.56, which is less accurate than before. Yes, it's less accurate. Yes. But also, you can actually compute more more terms. We know that in the Rosenbrock banana function, the optimum is 1.1. So if you continue the computations with this sequence, we eventually go to 1.1. Okay. And what do you get if you plot the sequence of points in the matplotlib? I'm not a professional of matplotlib actually. I mean if you plot again the same result. This is good the result you get. I need this to finish before execute this cell. Can you show me again SweetX, the function SweetX? Yeah. So question for everyone: why is this taking so long time? Because it's recursive. Because it's recursive. So what can be done to improve the speed of computation of recursive functions like this one? We'd have to be able to not use some kind of sequence. We'd have to be able to compute each item independently. Well, the idea is more to keep the intermediate results. You know, for example, we say if n equals 0, then return x 0. So the idea is also to say if x equals 1, then return the value you already compute. Okay. So Alban, can you do a search on Google how to store values in a recursive function Python? Okay, this can be good. Okay, this is with strings. Maybe you can take another example and maybe the second one or the third. This is also with strings, but yeah, let's say. They are not storing the values here. Maybe look again on the other one. It's still computing. So Maybe what you can do, actually, I'm thinking about that. Maybe what you can do is to store everything in a vector and you append at every time the last value, you know? So you say SweetX is a vector containing at the beginning just x0. Can you help me to implement that at the same time as your name? Yes, I changed the screen. Okay. Do you see it now? Yes. Okay.
So the problem with this definition here is that it is recursive, and that's not exact. That's not really the problem. The problem is that we are not we are computing things here that we are not saving somewhere. We have to save them to actually decrease the computational complexity of this thing. So for me, the idea is to create a vector where I keep values inside. Okay, so for example, here I'm going to say maybe here x is initially you can use a NumPy arrays. Okay, you already saw this, no, in your lectures, NumPy or not? Yes, we already used it. Okay, so you say import NumPy as np, NumPy as np, and now I say x is np dot array, and initially I have only one thing, which is x0, my initial condition. So this is NumPy array of x0. That's x. Now I'm going to say that I'm going to say that for I in range, I don't know, 10, I'm going to do x of is append. Let me check what's the syntax here. Append np.append, and then you add the list. So x equals x dot np. What? No, it's np dot append x, np dot append x, and you add the value of x. And you add this thing here. You add this. I am appending to that value this. And instead of having little x, I have capital X. Well, I can use n here for n in range 10. Df of capital X like this. I think this is good. It's maybe because I need the brackets. I need the brackets here. No, what's the thing? NumPy and the array objects is not callable. But here, meaning, what is the meaning of x, open bracket, n minus one? This is the n minus one entry of x. But x is an np array, it's not a function. Now x here is it's a NumPy array, yes. So x n minus one is the entrance before. So what you want is x and square brackets n minus one. Is with square brackets, yeah. Yes, and you don't want n minus one, right? It's n. You want the last one. Yeah. So it's just minus one. Minus one. Good.
and also here x squared minus 1. I think I need to do a print x, print x, why it's not the good array. Okay, np array x0, so initially there's only minus 2, and then x is that thing. Okay, now it's working. Okay, so I have minus 2, minus 1 third. Okay, it's converging to 0.64. In the for n in range, you can do just x dot append. Where? Append it in x, right? Sorry, can you repeat? Here on this line, you can set the equal np and just do on x, you want to append the whole thing on the right, right? Yes. This is a proper way to do it. Donc tu dis que je fais x.append ou, oui, ou quoi? Directement. Parce que x, il a déjà été défini comme étant un np array sur lequel on veut append les éléments qui sont entre les parenthèses. Oui, donc tu veux dire que je n'ai pas besoin de redéfinir x tout entier, c'est ça? Voilà, et chaque fois, du coup, là, il suffit d'enlever le np aussi, puisqu'on a déjà dit que c'était un np array. Et donc, on peut faire x.append, ce qu'il y a sur la droite. Ah, donc, il faut que j'enlève le x ici aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Autant pour moi. Bon, bah, si ça marche pas, ça fonctionnait comme tu l'as fait, donc. Très bon. Mais je vois ce que tu veux dire, mais append, c'est une méthode qui marche pour les listes. Tu vois, c'est-à-dire si x était une liste, ça aurait marché. Mais le problème, c'est qu'ici, x n'est pas une liste, c'est un array de NumPy. Donc du coup, les méthodes, c'est forcément np.append. Et ça, c'est parce que moi, j'ai choisi de faire un np array ici, mais si j'avais fait une liste, tu vois, par exemple, si je fais plutôt une liste au lieu qu'un np array, comme ça, là, ça doit marcher ce que tu dis. En tout cas, ça aurait dû marcher. Qu'est-ce qui va pas? Can only concatenate list, not flow to list. Ok. Pourtant, ça c'est bien une liste. Non? Mais c'est des problèmes de programmation, c'est pas le problème sur lequel on était. Ouais, c'est des trucs de programmation. Bon, je le laisse en NumPy, ok? Ça marche. C'était pas ça, c'était quoi déjà? C'était x égale. Ah oui, x égale, merci. Il faut les crochets au n-1. Ah oui, merci. Il faut les crochets à n-1. Tac. Voilà. Ok, bon là j'ai tout cassé. Qu'est-ce qui va plus? Le x en haut, c'est vous l'avez laissé comme une liste. Ah oui, merci. Merci, merci. np.array de ça. Super. Bon là ça marche du coup. Ok. Ok. Donc ça, je l'efface. Ok, donc ça, c'est... Là, vous voyez, on a un truc plus robuste, dans le sens où on n'a pas besoin de calculer explicitement le gradient, mais en fait, on l'approche numériquement par un quotient en différence finie. Et on a réussi à augmenter la vitesse de calcul en ne pas... Enfin, en stockant les valeurs de cette définition récursive. Okay. Donc ici, c'est la même expression récursive, mais je stocke les valeurs au fur et à mesure. Okay. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, vous l'adapterez au cas dimension 2. Okay. Alors, bon, comment dire, tout ce qu'on fait ici, c'est des cas un peu d'école.
Okay, c'est un petit peu simple. Mais quand on a des codes industriels, c'est-à-dire avec des librairies un peu haut niveau, comme TensorFlow, Keras ou d'autres compagnies, bah, en fait, tout ça, c'est fait en interne. Okay? C'est-à-dire que vous n'aurez jamais à coder ça pour un code industriel. Il y a des choses qui sont déjà faites. Mais vous allez voir des paramètres. Par exemple, le learning rate, ce état, vous aurez la possibilité de le choisir. Et donc, maintenant, vous savez ce que c'est, ce learning rate. Aussi, vous aurez besoin de savoir, en gros, quels sont les différents types de méthodes, mais en tout cas, comprendre ce que c'est la descente de gradient. Okay? Donc là, maintenant, vous avez une idée un peu plus claire. Et il y a d'autres méthodes, ok, il y en a d'autres. En machine learning, on n'utilise pas uniquement celle-ci, il y a le gradient stochastique. Donc ça, c'est ce que l'on devrait voir un petit peu. Okay. Et voilà, donc maintenant, on va voir la partie que Alban posait comme question, c'est sur le optimal learning rate, ok, par recherche linéaire. Bon, est-ce que jusque-là, il y a d'autres questions avant que je passe à la suite? Non. Ok, bon, on va continuer. Alors, comment on fait pour choisir une valeur optimale de taux d'apprentissage, de learning rate? Là, je fais une nouvelle page. Alors, laissez-moi juste trouver... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Où est-ce que c'est déjà? Ok, il est ici, c'est bon. Ok. Ok, ok. De relaxation. Ah voilà, ici. Kantorowicz. Ok. Alors, maintenant, on cherche la valeur optimale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un algorithme, okay, qui s'écrit de la forme suivante. U0, c'est la condition initiale. Et ensuite, on a un plus 1 equals un minus some coefficient alpha, okay, times the gradient of j at that point. Now, I want to find this alpha. This alpha is also going to have an index n here, okay? So that's different with respect to the first algorithm we saw before. Now n is an index of alpha. That means that I'm going to take different type of learning rates at each step, okay? Now, if I start the algorithm at n equals 1, we have that u1, well, at n equals 0, if you want, u1 is u0 minus alpha 0 times the gradient of j. For the moment, I'm just working in dimension 1, so I'm going to say this is j prime
of u0. Okay? Now, this is a function of alpha. Okay? This is a function of alpha, so I have to choose, okay? I have to choose alpha 0 such that j at u1 is as low as possible. Okay. Vous comprenez un peu le truc. Là, la différence, c'est que je cherche ce paramètre alpha de telle sorte que, une fois que je trouve U1, eh bien, J de U1 est la plus petite possible. Alors, qu'est-ce que c'est J de U1? J de U1, c'est J de U0 moins alpha 0 fois J prime de U0. Et ça, bah, c'est quoi? C'est une fonction phi de A0. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une fonction qui dépend de la variable alpha 0. Mais cette fonction qui dépend de alpha 0, c'est une fonction de une seule variable. OK? Et c'est celle-là que je vais minimiser. Vous comprenez? Donc, mon objectif ici, maintenant, c'est find alpha 0 such that we minimize phi of alpha 0 among all the possible values of alpha 0. Donc, d'un point de vue géométrique, ça veut dire quoi? Vous avez une fonction ici. Vous avez votre fonction, je ne sais pas. Je fais un truc comme ça. Ça, c'est la fonction f. Ou j, pardon. J. Et vous commencez à un endroit. C'est comme tout à l'heure, votre condition initiale, x0. On va dire qu'elle est là. Donc, à partir de là, je calcule le gradient. Donc, c'est un vecteur qui est comme ça. Et donc, je dois me déplacer le long de la direction du moins gradient. Okay. Donc là, ici, cette droite bleue, c'est quoi comme fonction? Eh bien, c'est une droite... enfin, comment dire? Vous voyez, le paramètre alpha me dit de combien je me déplace le long de cette droite. Si je prends alpha égale 1, c'est ça. Si je prends alpha égale 2, ça va être un truc comme ça. Ou, vous voyez, je peux choisir combien je me déplace le long de cette droite. Est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que c'est beaucoup? Okay. Et donc, l'idée ici, c'est justement de trouver la valeur optimale de alpha. Alors, mon objectif, c'est de minimiser cette fonction phi de alpha. Que mesure phi de alpha? Eh bien, elle mesure j de u0 moins alpha j' de u0. C'est-à-dire que ça va mesurer cette région-là. Hein, ça mesure cette région-là et ça cherche le point où elle est la plus petite. OK? Donc, ici, comment je fais pour trouver le minimum de cette fonction? Eh bien, je la dérive. Donc, je calcule phi prime de alpha 0, c'est eh bien, la dérivée de ça par rapport à alpha 0. Hein, c'est d sur d alpha 0 de j de u0 moins
Qui peut me donner la dérivée de cette fonction? C'est j u 0 moins j prime u 0. Alors encore, j. Alors j de u 0 moins j prime de u 0. C'est tout? C'est tout. Non. Ok. Alors non, en fait, il faut faire la dérivée d'une fonction composée. Okay. Alors, qui peut me rappeler à quoi ça donne U rond V prime, hein? Donc la dérivée d'une fonction composée, c'est... V prime rond U fois V fois U prime. U prime rond V fois V prime. Okay. Donc là, ici... U, c'est qui? U, c'est J. Et V, c'est quoi? Bah, c'est U0 moins alpha 0 J' de U 0. Donc, U', bah, c'est J'. Et V', okay, c'est... c'est ce que disait ce que disait tout à l'heure, ça fait moins J prime en U0. Ok, donc ici phi prime de alpha c'est J prime évalué en, hein, donc c'est le U prime rond V évalué en U0 moins alpha J prime en U0 multiplié par V prime, c'est-à-dire multiplié par moins J prime en V0. En U0, pardon. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Mmh. Ça marche. Donc, l'idée, c'est ça. C'est, on cherche U1 de telle sorte à minimiser le plus, hein, à trouver la plus grande pente de J sur cette direction. Okay, c'est, on cherche la plus grande pente le long de l'intervalle. C'est-à-dire que vous avez le long de cet intervalle plein de pentes, okay, et vous cherchez laquelle est la plus grande. Donc pour ça, il faut résoudre un autre problème d'optimisation, qui est celui-ci. Okay. Il faut trouver le minimum de J au point précédent, moins alpha, J prime, U en 0, enfin au point précédent. Et là, ici, bon, de toute façon, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est assez évident. Les alpha 0 sont positifs. Hein. Tous les alpha, on les prend positifs parce que j'ai mis moins le gradient, déjà. Il y a un moins déjà, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est implicite qu'ils sont des constantes positives. Okay. Voilà. Donc, on va essayer de faire ce test directement sur un exemple. Alors, si je prends j égale x carré, que je prends u0 égale moins 3, voilà. Bon, j prime, c'est 2x. Qui peut me donner, du coup, la solution du problème minimisé parmi les alpha 0 de j de u0 moins alpha J prime en U0. Voilà. Sur ce petit exemple. Quelle est la valeur de alpha optimale?
Hein, donc là, vous avez une parabole. 6 alpha moins 3 au carré, c'est une parabole en alpha. Il s'annule en alpha, et, donc c'est une quantité toujours positive, donc le minimum, c'est là où elle est, là où elle est nulle. C'est-à-dire quand 6 alpha moins 3 égale 0, c'est-à-dire 6 alpha égale 3, c'est-à-dire alpha égale 1,5. OK ? Donc, pour ce petit exemple-là... Il n'y a pas si une deuxième solution ? Non. Laquelle ? C'est un carré, donc il y a une solution double. Pas toujours, ça c'est si le discriminant est positif. Je ne l'ai pas calculé. Donc... Si le discriminant est nul, il y en a une seule. Si le discriminant est négatif, il n'y en a aucune. Oui, ok. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mm-hmm. Dis-moi. Vous dites mine de alpha 0 sur J appliqué à U0 moins alpha J'. Mais il me semble que juste avant, on vient de dire que c'est J' qu'on doit appliquer sur U0 moins alpha 0. Non, c'est-à-dire... ça là, le J' de tout ça, c'est la dérivée de phi. Moi, je cherche à minimiser phi. Tu vois ? Je cherche à minimiser phi. Maintenant, nous, on a déjà vu qu'une façon de minimiser phi, c'est déjà trouver les points critiques, c'est-à-dire trouver où est-ce que la dérivée est nulle. Ouais. OK ? Donc, je peux calculer la dérivée de ça et trouver où est-ce qu'elle s'annule. Est-ce que tu peux me dire, du coup, si tu calcules la dérivée de cette fonction par rapport à alpha, où est-ce qu'elle s'annule ? J'avoue, là, il va falloir que je pose pas mal de trucs. Bon, si tu vois, tu prends juste cette fonction, tu la dérives par rapport à alpha, qu'est-ce que tu trouves si tu dérives ça par rapport à alpha ? Bah là, moi, je vais avoir tendance à faire un u fois v. Là, tu as u carré. Okay. Donc, la dérivée de u carré, c'est 2 u prime u. U prime, c'est ça. Voilà, 2 u prime u. Donc, ça fait 2 fois 6 fois 6 alpha moins 3. Mm-hmm. Et quand est-ce que ça s'annule ? 2 fois 6 fois 6 alpha moins 3. Quand... alpha vaut moins 1,5. 1,5, non ? 1,5, pardon. Oui, 1,5. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la valeur optimale de alpha, c'est 1,5. OK ? OK, ça me va. Est-ce que c'est clair pour les autres ? Oui. Ouais. Donc, là, dans l'algorithme de gradient, on a dit... on peut prendre un pas fixe, hein, un état ou alpha, comme vous voulez l'appeler, fixe, genre 0,05, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, ici, on l'avait pris fixe. Mais on a dit, bah, on peut faire mieux en fait. On peut choisir un learning rate différent à chaque étape. Alors, rien n'est gratuit, ok ? C'est-à-dire que, OK, si je trouve ce état optimal, je dois payer quelque chose. Qu'est-ce que je paye ? Eh bien, je me tape un autre petit problème d'optimisation au milieu. Hein ? Je dois trouver le alpha qui minimise cette fameuse fonction phi. OK ? Donc, ce n'est pas gratuit. OK, j'ai trouvé la valeur optimale de alpha à chaque étape. Mais ça veut dire qu'à chaque étape, je me tape un problème d'optimisation, mais qui est petit en fait. Ça vaut la peine puisqu'il n'est pas très compliqué ce problème. En fait, on appelle ça la recherche linéaire. Pourquoi linéaire ? Parce qu'on recherche l'optimum le long de cette droite horizontale que vous voyez là. OK ? Et donc du coup, bah, voilà, ça nous donne un truc sympa. Le truc sympa, c'est que... enfin, on a une valeur optimale du pas, mais voilà, on paye un petit prix qui est résoudre un petit problème d'optimisation. Okay. Est-ce que ça, du coup, ça permet de tomber dans des minimums locaux ? Alors, tous ces algorithmes... Pardon, d'éviter de tomber dans des minimums locaux.
Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Et en fait, quelque chose qui est important que vous sachiez, c'est que les problèmes d'optimisation, d'un point de vue de complexité algorithmique, sont très compliqués. Ils sont NP difficiles. Okay? Donc, comment dire? En fait, si vous voulez savoir que si vous voulez trouver le minimum global d'une fonction, bah, grosso modo, il n'y a pas façon de faire que tester tous les points. En gros, hein, c'est cette histoire de complexité. Bon, je m'abuse un petit peu dans le langage, mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, tous les algos que l'on voit sont des algos d'optimisation locale. Il y a quelques algos d'optimisation globale qui utilisent la théorie de la mesure, des choses comme ça, mais c'est un peu à l'état de recherche encore. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Qu'est-ce que vous dites si on adapte, du coup, cet algo à pas optimal qu'on vient d'écrire à notre petit code ici en 1D? Okay. Voilà, donc prenez quelques petites minutes pour essayer d'adapter le pas optimal. Hein, donc il y a le état qui va dépendre de M et d'une certaine manière. Et puis, autre chose que l'on n'a pas encore ajouté à notre petit algorithme, c'est le fait que, là, vous voyez, je fais un peu bêtement, je dis, voilà, fais-le 10 fois. Mais on pourrait plutôt essayer de rajouter un critère d'arrêt qui va vérifier où est-ce qu'on se situe à chaque instant, okay, et voir si on a convergé ou pas. Okay, donc, si entre deux itérations successives, la valeur approchée de x étoiles donc, ne varie pas plus que 10 puissance moins 4, par exemple, alors je décide de m'arrêter. Okay. Donc, ça c'est un test qu'on doit rajouter ici dans notre algorithme. Au lieu de faire une boucle for, eh ben, on fait plutôt une boucle while. Vous voyez, on dit tant que entre deux étapes successives de l'approximation, l'erreur est plus grande que 10 puissance moins 4, donc l'erreur c'est la différence des valeurs consécutives, alors je continue de faire ce que je fais. Et une fois que ça devient plus petit, eh bien je m'arrête. Okay, donc là on utiliserait plutôt une boucle while. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu ici. Alors, je vais voir si je peux le rouvrir. Ça, là. Vous vous souvenez de cette image? Regardez. Comment sont les directions là avec le pas optimal? C'est quoi les angles que vous voyez là, ici, dans ces escaliers? C'est orthogonal. C'est orthogonal. Okay. Et en fait, c'est une propriété que l'on peut démontrer de cet algorithme, c'est que les directions le long desquelles on descend vont être orthogonales. Et ça vient de quoi?
ça vient en fait de cette dernière équation qu'on a écrite ici, ici en bas, là. Cette condition d'optimalité, le fait que ceci soit nul, hein, parce que on a un point où la dérivée s'annule, on a une chance de trouver un optimum. Donc si ça, ça s'annule, ok, c'est un point d'optimum. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, là, on ne le voit pas trop parce qu'on a fait le cas 1D, mais si j'avais fait le cas multidimensionnel, j'aurais eu quelque chose comme ça. J'aurais eu gradient de J en U. Je vais l'écrire avec N plus 1. Scalaire. Donc j'aurais eu, voilà. Il y a un moins qui traîne, mais bon, on s'en fout. Scalaire gradient de J en U N égale 0. Donc là, vous voyez, ça c'est le gradient dans l'étape suivante. Et ça, c'est le gradient à l'étape précédente. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une condition d'optimalité qui me dit que ces deux vecteurs sont orthogonaux puisque leur produit scalaire est nul. OK? Donc pour l'algorithme de descente de gradient à pas optimal, les directions descentes d'un pas au suivant sont orthogonales. Et ça, c'est ce que l'on voit ici, dans cette petite animation. On voit que là, en fait, ça fait des zigzags en angle droit. OK? Voilà, donc ça, c'est aussi une propriété intéressante de ces algorithmes-là. Voilà. Alors, je ne vous ai pas laissé faire une petite pause. Vous voulez qu'on... Il reste 20 minutes, peut-être que, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a fait, que ce soit là ou la semaine précédente? Non? OK, ça marche. Bon, bah écoutez... Donc voilà, donc essayez d'améliorer votre code ici pour, par exemple, implémenter l'algorithme de pas optimal qu'on vient de voir. Donc ça va nécessiter de rajouter dans une étape ici, dans la partie récursive, ça va nécessiter de rajouter un calcul de alpha. OK? Bon, voilà. D'autres questions? J'avoue que pour moi, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Et qu'est-ce qui n'est pas très clair? Ben, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire le cas de deux dimensions, parce que ça me paraît plus facile de généraliser 2D à 3D que 1D à 2D déjà. Mm-hmm. Et là, ben, je ne saurais pas le faire, ne serait-ce même que pour le 1D. Tu parles de quoi? Du critère d'arrêt? Pas le critère d'arrêt. Ça, je comprends bien. Il suffit juste de faire une différence entre l'élément précédent et l'élément actuel et de définir un seuil. Mais je parle de état de N. Je sais pas. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Alors, j'avoue l'idée... que ça sous les yeux, ben, c'est pas suffisant pour moi pour passer en 2D. Et là, même en 1D, c'est pas suffisant pour moi. Okay. Et le en 1D, tu l'as pas compris comment je l'ai calculé ici, le 1,5? Le 1,5, j'ai compris du coup. Ok. Donc, tu as compris un peu la méthode de calcul ici? Et là, je confonds un peu, je crois, ce qu'on appelle alpha et ce qu'on appelle état. Éta et alpha, c'est la même chose. Ah, ok. Ok. Ok, état et alpha, c'est la même chose. Ça s'appelle le pas. En machine learning, on appelle ça le learning rate. Et c'est un nombre. Ok. Donc là, on veut juste le vecteur alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha n. Mm-hmm. Tel que. Pour chaque alpha. Enfin, chaque alpha, du coup, chaque composante est
le état optimal pour chaque. Voilà, maintenant, effectivement, si on écrit l'algorithme de descente à pas optimal en dimension n, donc j'ai mon vecteur x0 dans Rn, et j'ai ma suite x de n plus 1 égale xn moins état gradient de j en xn. Ok? Donc, mon objectif, cette fois-ci, c'est de dire que état dépend lui-même de n. Okay, c'est un état de n. Et je cherche état de n qui fait descendre le plus. Donc, mon problème, c'est find état de n such that la valeur de j au point en question est minimale. Is minimal. Ok, alors qu'est-ce que c'est que j de xn plus 1 minimal? Ben, je remplace par ce que c'est, donc le problème d'optimisation c'est minimiser parmi tous les vecteurs états dans Rn la fonction j de xn moins état gradient de j en xn. Ok. Donc là, tu vois que ce état, je le cherche. Donc comment je fais pour minimiser une fonction? Eh bien, je commence par calculer sa dérivée. Ça, c'est ce que j'ai appelé phi de état. Donc phi de état, tu vois que c'est une fonction qui va de Rn dans R, que à état associe tout ça. J de truc. Jusque-là, ça va? J'ai du mal juste là à comprendre pourquoi état, il est dans Rn. Parce que état lui-même, c'est un vecteur qui comprend tous les états de n possible, je comprends pas trop. Ouais, c'est ça, tu vois, donc alors. Ou est-ce que c'est dans Rn parce que pour chaque composante de chaque dimension, j'ai un état différent optimal. Oui, alors c'est ça que je voulais te dire. Donc tu vois, si état c'est une direction, tu es d'accord avec moi? Oui. C'est une direction, ça me dit je vais là, je vais quelque part. Ok, c'est une direction. Donc si je prends cette direction-là, ça c'est mon vecteur état. Okay. Ça me dit que je dois me déplacer le long d'une certaine valeur ici. Donc ça c'est une partie état x qui compose le vecteur état. Et une partie y ici, état y. Mais à chaque fois ça c'est des nombres. Hein. Ça me dit, voilà, tu avances de 0,1 dans la direction x. Alors, bon, ça c'est très moche. Donc, je vais le refaire. Donc, état, c'est état selon x, état selon y. Tu vois? Donc, ça me dit, je me déplace dans cette direction qui s'appelle état, qui, voilà, tu vois, par exemple, j'aurais pu prendre 0,01 et 0,05. Ouais, ça va? Oui, ça me va pour l'instant. J'aurais pu évidemment prendre la même valeur, 0,1, 0,1. Ok? Bon, voilà. Donc, état, c'est un vecteur qui me donne la direction le long de laquelle je bouge. Ok? Et mon objectif ici, c'est de minimiser la fonction en question ici. OK? Ça va? Donc. Oui, ça va. Donc, ça c'est, voilà, ça c'est général. Alors, dans le cas qui nous intéresse, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer la dérivée de phi. Phi prime de état
Ça, c'est le cas dimension 1. Si on est dans le cas dimension supérieure, bah, c'est le gradient de phi. OK? Donc, la dérivée de phi, comme c'est une fonction composée, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est j' de tout ça. Fois, pardon, c'est gradient de J, enfin, c'est la même chose, vous avez compris, c'est gradient de J machin multiplié par moins gradient de J en Xn. Xn. Hein? Et on cherche à que ça soit nul. Parce que lorsqu'une fonction admet un minimum, la dérivée est nulle. Donc, je commence par chercher des solutions à cette équation où l'inconnu est état. Et on a dit que cette chose, c'est un produit scalaire qui est nul. Donc, ces directions-là sont orthogonales. Ouais. OK, jusque-là, ça me va. Voilà. Et donc, là, ici, c'est trouver état. OK, il faut trouver ce état qui fait que ce truc est nul. Okay. Donc, tu vois, c'est une équation seule ici ou c'est un système d'équations si je suis avec état vectoriel. Déjà, vous pouvez commencer par ce cas-là. Okay. Où état, c'est le même coefficient partout. Donc, en fait, c'est comme s'il était juste une constante. Okay. Ce cas ici en bas. Et donc, il faut résoudre ça. Ça, c'est une équation en état. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai pris j égale x carré, j' égale point 2x, u0 égale moins 3, et je cherchais le minimum de cette fonction qui est donnée par là où la dérivée s'annule, que tu as calculé, que tu as trouvé où est-ce qu'elle s'annulait, et que tu as trouvé alpha égale 1/2. D'accord? Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour trouver la valeur optimale de alpha. Et donc, vous, ici, dans votre code, eh bien, il faut rajouter cette petite résolution d'équation où on cherche le état optimal. OK. Et du coup, dans le cas 2D, je veux bien réavoir les slides sous les yeux, si possible. Quand on passe au gradient, c'est comme si on disait que selon l'axe, bon j'ai deux axes du coup, x et y, que sur l'axe x je calcule le état optimal et sur l'axe y le état optimal aussi. Voilà, donc tu vois ici, je peux carrément écrire tout ça en explicite. Hein? Oups. Si je dis, qu'est-ce que c'est le gradient de j? Bon, gradient de J en 2D, hein, c'est dérivée partielle de J par rapport à X, dérivée partielle de J par rapport à Y. Et ça, je dois le calculer où? Je dois le calculer en plusieurs points. Okay? Donc, ici, vous avez en Xn, donc vous avez la dérivée partielle de J par rapport à X, évalué en xn, okay, c'est le morceau qui est là. On a dérivée partielle de j par rapport à y au même point, hein, puisque c'est un vecteur. Tout ça, on le multiplie par moins état. On soustrait xn. Okay. Et tout ça, on l'évalue au gradient. Donc ça va être évalué au gradient, c'est-à-dire la dérivée de j par rapport à x, et tout ça, ça va être évalué en partielle de j partielle de y. Donc j'ai un système de deux équations, donc scalaire, donc tout ça produit scalaire avec moins le gradient de j en xn, donc moins dérivée partielle de j par rapport à x en xn, moins dérivée partielle de j
par rapport à y en xn. Tout ça, ça doit être nul. Alors ça, vous voyez, c'est un produit scalaire, donc c'est composante par composante. Donc c'est ça multiplié par ça plus, en l'occurrence ici, moins ça, oups, ça multiplié par ça, qui doit être nul. Okay. Et là, ici, c'est une équation à état, c'est-à-dire que je dois tout isoler pour trouver état. Donc ça, c'est une équation où je dois dire, voilà, je passe tout d'un côté, machin, et à la fin, état égale un truc. Mais là, on trouve un état optimal pour les deux directions. Ouais. Et si, d'accord, et avec le gradient sur phi, on va trouver un état optimal pour x et un état optimal pour y. Bon. À chaque pas. En plus. Voilà. Si okay. J'autorise, voilà, qu'il n'y ait pas différent. Ok. C'est assez lourd, en vrai. Comme... Oh, rassurez-vous, c'est à peine le début. C'est pas très rassurant. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, bon, c'est pas du tout pour vous faire peur, loin de moi, cette idée. L'idée, c'est de vous dire vraiment, voilà, il y a beaucoup de maths, surtout si vous voulez vraiment comprendre comment marchent les algorithmes. C'est pas du tout pour vous faire peur, enfin, ça sert à rien. Il faut justement ne pas avoir peur et rentrer dans le truc. Okay? Mais vous dire, voilà, qu'il y a rien de trop compliqué, quoi. Il y a des gradients, des petits produits scalaires, je résous une équation en état. C'est vrai que quand on écrit tout, ça a l'air un peu impressionnant. Mais quand on rentre un peu dans le détail de ce que c'est pas grand-chose, quoi. OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas de mon côté. Merci beaucoup. Non ? OK. Vous savez si les gens qui étaient absents sont absents pour une raison particulière ? Il y a 10 absents. Ils ne sont pas avec vous, les autres ? Genre... Arthur, Simon, Clément, Lucas, Mohamed, Maxence, Oscar, Antoine, Benjamin. Aucune idée. C'est peut-être le... On est censé être ensemble. Bah oui, non, on est censé être ensemble. Ça marche. Ok, bon, bah écoutez, c'était juste pour savoir. Ça marche. Bah écoutez, on se voit demain, si je ne me trompe pas. Voilà, on se voit demain à 14h. Ça marche. Bon, bah écoutez, à demain. À demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À demain.